Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, je vous l'avais promis, le voilà. Exit Path 2, donc le premier, vous vous souvenez, je l'avais fait au mois de... Je ne sais plus, ce n'est pas grave. Je l'avais fait il y a quelques mois et il m'avait... Le 1 m'avait beaucoup plu. Le mode multijoueur était pas mal. J'ai pas essayé le mode multijoueur d'Exit Path 2. Alors, petit problème, c'est que Exit Path 1 était jouable sur l'émulateur SWF Opener. Oui, je sais, c'est pas réellement un émulateur. Hein. Bon, mais voilà, mais je le considère comme étant un émulateur qui émule le moteur Flash. Enfin, voilà. Ça, c'est pour mettre fin au débat. Exit Path 2, lui, ne peut pas être joué sur SWF Opener, malheureusement. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur SWF Opener. Donc, résultat, ben, on va y jouer sur navigateur. Voilà. Bon, bah tant pis. Et c'est parti. Donc... Voilà. Voilà, rien que la musique déjà. Allez, non, déjà on sait quoi, passer un bon moment. Donc je rappelle que ce jeu est sponsorisé par Armor Game et qu'il a été développé par un certain John. C'est le même titre. Ah. J'adore la batterie. Enfin bref, déjà rien que le son est génial. Et la petite intro qui nous rappelle le 1, franchement, très très bonne idée, c'est super bien fait, franchement, les mecs, chapeau. Encore un jeu, comme on aimerait en voir plus souvent. Franchement, alors, je n'ai pas essayé le multijoueur, on l'essayera ensemble, après. En tout cas, déjà, rien que pour le mode solo, on va en avoir pour un bon bout de temps, je vous le dis. Je ne me suis pas logué, tiens, d'ailleurs, sur Armor Game, bon, je vais le faire tout à l'heure. Allez, c'est parti. Mais rien que le son, déjà, il me tue. Ok, je me log et je reviens. Ok, je suis logué. Trop bon, la musique. Trop bon. Enfin bon. Ah, ça serait sympa qu'elle puisse... Ah, get the music. On peut avoir les musiques en plus. Ah bah écoutez, moi je verrai hors caméra comment on peut les avoir. Mais si on peut les avoir et qu'elles sont sous licence libre, je les intégrerai certainement à un futur comment dire, à un futur timelapse. Ça pourrait être super intéressant. Parce que franchement, j'adore la musique de ce jeu. Bon allez, on est parti. Oh, yeah. Allez, on est reparti. Donc vous avez vu que j'avais déjà fait plusieurs fois. Donc, alors, soit A ou D pour se déplacer, mais les flèches directionnelles fonctionnent. Alors, juste un truc. Ce niveau des sauts. De toute façon, ils vont nous l'expliquer, mais comment. Vous savez, avant le double saut, il fallait maintenir le saut pour sauter plus ou moins haut. Enfin, ça existe toujours. Mais surtout, maintenant, on a le double saut. Ce qui a... Voilà, ce qui...
qui entraîne une nouvelle. Voilà. Une nouvelle dimension au jeu. Donc voilà, donc tout nouveau gameplay, hein, franchement, voilà, des... je sais plus si on avait dans le 1 des... Donc l'histoire un petit peu, on comprend un petit peu qu'on doit retourner dans l'usine en question pour aller chercher de la nourriture, parce que j'ai passé un peu vite au départ, mais voilà, on retourne en fait dans l'usine pour aller chercher de la nourriture, parce que apparemment là où on vit, ben on meurt un petit peu de faim. Donc voilà, donc c'est... Les musiques. Ah, je me taire un peu juste pour que vous puissiez écouter les musiques. Voilà quoi, franchement, ils ont fait un travail formidable sur les musiques. C'est hallucinant. Franchement, ce jeune là, il a un talent fou pour développer ces jeux. Franchement, totale recommandation à ce développeur de jeux Flash. Ah d'accord, ouais. Il y a des petits. Alors pareil, ces barres là, comment, sur lesquelles on peut s'accrocher, un petit peu à la... Comment ça s'appelait ce jeu, Prince of Persia. Franchement, ouais, pas mal. Donc il a repris ce concept. Ouais, là-bas il y avait rien d'intéressant. Ah ouais. Hop. Attendez. Hop. On va y arriver. Ok. Le temps de chargement entre chaque niveau n'est pas extrêmement long, donc c'est pas très frustrant. Oups, c'est un petit peu idiot de ma part. Juste un petit peu. C'est bon, ok. Vous voulez... Bon, alors, par contre, au niveau difficulté, le jeu, je le trouve un petit peu plus difficile que le premier. Contre quoi je me suis cogné, je ne sais pas. Voilà. Donc au niveau de la difficulté, ça a un peu évolué. Au niveau des graphismes, pas des masses, mais si quand même. Hein. Je trouve ce qui nous tue beaucoup plus beau. Il a fait un travail sur ce qui nous tue. Ah d'accord, il y a des pics là-haut, je les avais pas vus. Ok, je me demandais qu'est-ce qui m'avait tué. Ok, c'est parce que là, il y a des pics. Et les pics, ça pique. Oh yeah! Hop, 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 tu viens là. J'essaie d'en récupérer un max quand même. Même si je suis à la moitié sur les 40 et que j'ai fait deux fois le jeu avant. Alors, avant, ça date pas d'hier, hein, que j'ai refait ce jeu. J'ai refait ce jeu il y a peut-être bien un mois avant de me décider à vous le présenter. Mais de toute façon, c'était sûr que j'allais vous présenter Exit Path 2. Qui est un excellent jeu. Et j'ai toujours pas traduit les panneaux, ça change pas, j'ai peut-être viré le retour des lasers. Ça fait plaisir, ou pas. Ah oui, donc... Ah, déjà ?
Donc voilà, donc là, donc le donc l'usine considère que voilà qu'on a essayé de donc de voler. Vous voyez, on a le ralenti en plus de ce qui vient de se passer. On passe au jugement. Voilà, donc guilty. Donc tout le monde nous dit qu'on est coupable de la tentative donc de vol. Voilà. Et ça, j'aimerais récupérer si possible. Non, c'est pas possible. Okay. Merci pour votre participation. Ah oui, c'est ça. Alors encore une façade de rond. Ah, raté. Raté. Allez. On se concentre. C'est pas possible. Je saute trop tôt en fait. C'est pas possible. Allez, je l'avais. Oh, zut. Ok, faut juste que je l'active juste avant de sauter. Ah non, attendez, attendez. J'ai pas le bon réflexe. Je vais pas y arriver. Eh, il manque très peu de choses. Allez. Oui! J'ai réussi. Ok, donc finalement on arrive devant une sorte de salle de contrôle. Et c'est là que l'on va donc détruire donc la fameuse usine dans laquelle on était enfermé dans le 1 et Ah ouais, ici c'est assez. Ça c'est chaud. Je me souviens plus comment on passe d'ailleurs. Et non, je referai pas la blague. Ah d'accord, donc quand on utilise les trucs, on peut pas ressauter après. Bah bon, bah d'accord. Allez, allez, tu peux le faire. Oui, tu l'as fait. Allez. Voilà, hein, bon, c'est toujours. Allez! Ah, je l'avais. Allez. Hop. C'est ça. Allez. Ah oui. Alors ici c'est assez chiant, ce laser m'a posé beaucoup de soucis. Oh d'accord, ok, ouais, celui-là c'est vrai qu'il arrive à m'atteindre. Oui, en fait ici faut surtout pas s'arrêter, enfin faut s'arrêter ici et dès qu'on a trompé le laser. En fait, arriver ici, faut plus du tout s'arrêter. Voilà. Ouh. Non, mais franchement, ce passage-là n'est vraiment pas évident.
C'est un des plus durs passages du 2. Alors ici, à chaque fois, je me plante. Mais ce coup-ci, j'y suis arrivé. Oh, c'est pas vrai. Allez. Ouais, allez. Ah ouais, alors ici. Non, mais en plus je l'ai pris du mauvais côté. Allez. Donc ici, il faut passer. Ici, il faut sauter. Non. Ici. Hop. Ouais. Attendez. Il faut juste que je me rappelle comment on passe ce passage. Ah oui, c'est ça. Alors. Faut sauter ici. Sauter ici. Non, allez, hop, c'est pas chier. Sauter ici. Sauter ici. Ah, dommage, j'ai sauté trop vite. Oui, je l'ai. Allez, voilà. Donc, pas évident, mais quand on s'approche, on y arrive. Hop, ouais. Ah, arrête de prendre les pics, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai, je l'ai pas touché, monsieur l'arbitre. Bon. Alors pareil, par contre, juste un truc, c'est la putain de pluie. C'est quoi son délire avec la pluie? Parce que non, ça, non, c'est plus chiant qu'autre chose, en fait. Bon, j'y arrivais peut-être. Oh, c'est pas vrai. Ouh. Allez, plus difficile, s'il te plaît. Non, ici c'est encore un passage à la con. Faut boriner comme un sourd et une gosse. Par contre, l'avantage c'est que maintenant, vous avez vu le sprint, il est beaucoup plus rapide maintenant. C'est beaucoup plus simple à activer. Avant, il fallait courir sur une distance de malade pour réussir à l'activer. Maintenant, c'est faisable. Alors ici, j'ai jamais compris comment passer. Je, de temps en temps, voilà, j'arrive à passer ici. Mais alors, comment? Voilà, comme ça. Et j'ai pas compris, hein. Je vous l'avouerai, j'ai pas... Plus difficile encore, vous voyez. Alors ça, c'est nouveau, c'est pour le 2, spécifiquement. Ils ont trouvé que des trucs qui tournaient avec une seule lame, c'était trop facile. Alors ils en ont mis deux. Ces trucs-là, c'est une clé. Non, sérieusement. Bon, après, c'est pas bien compliqué, suffit. Voilà. Oh, d'où tu me touches, toi? Alors, attendez. J'ai vu qu'il y avait. Voilà. Ah non, j'ai ici, je suis même pas safe. Bon, et bah là, tu moi, parce que je suis redescendu. Attendez. J'ai pas compris là. Là je suis ici. Qu'est-ce qui me touche? Les lames touchent pas ici, c'est pas possible. Oh et où? Allez, hop. Voilà, merci, au revoir.
Sérieux quoi, allez. Je sais pas comment je suis passé là. Allez, on va y arriver. Je sais combien. Je suis à 16 minutes sur ce jeu. Oui, parce qu'avec le nouveau que j'ai réussi à maîtriser à peu près. Avec le nouveau logiciel de capture que... Bon ok, oui, vas-y. Alors ici, c'est vache. Ici, c'est très vache. Ici, en fait, faut utiliser que le bouton haut et au bon moment. Voilà. Merci pour le point de sauvegarde. Et le point de sauvegarde juste à la fin, alors qu'il n'y a rien... Voilà, et là, donc... Alors, oui. Et là, tu cours. Parce que là, on a une minute pour finir tout le restant des tableaux. Bon, c'est impossible, voilà. Non, c'est foutu. Hop, juste récupérer ça. C'est impossible, hein. Enfin, si, c'est possible parce que j'ai réussi à le faire deux fois. Mais c'est super chaud, quoi. Voilà, 13 secondes et il me reste trop de tableaux à faire en 3 secondes. Donc ça c'est quasiment... Voilà, 2 secondes et puis non, il reste... Voilà. Rewinding. Hop, donc là on recharge la partie. Ok, on est reparti. Et là, Spring Coco. Non, sérieusement, faut obligatoirement passer doucement, parce que sinon, de toute façon, mais ici, on perd trop de temps, sérieusement. Non, une fois qu'on a perdu trop de fois ici, on sait qu'on est foutu. Voilà, 30 secondes, c'est trop. Et le problème, c'est qu'on puisse pas recommencer comme on veut, quoi. C'est le problème, c'est que là, bah, on sait qu'on a perdu trop de temps, donc on est obligé d'attendre les 30 secondes restantes, quoi. Si après 30 secondes on est toujours ici, c'est même pas la peine. C'est pas la peine, on sait qu'on est. En 10 secondes, c'est pas possible. Non, bah. Je sais même pas ce que j'active à la fin, mais... Ok, 40 secondes, là c'est faisable. Allez. Ah d'accord, il y a deux. En plus, il y a deux endroits différents. Ok, d'accord. En fait, j'aurais dû prendre en haut. D'accord, ok. En plus, j'ai pas choisi le plus court. Ok, en fait, il y a deux chemins en plus.
Voilà, donc tu nous as coupé le courant, connard. Bon, pas bref. Donc voilà, donc produit par Armor Game, développé par John Coney. Merci à toi. Les musiques qui sont excellentes sont de Chris Branscombe. Les artworks, donc les animations, donc sont de Jimp et de Adams Phillips. Les animations, franchement, chapeau, c'est ce qui est. C'est vraiment le nouveau de Exit Path 2. Très bon travail à Adam Phillips. Franchement, chapeau. Les remerciements spéciaux. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui a fait de la vectorialisation, apparemment, dans le jeu. Donc, SDW Haven. Ok, easyvector.com. Et DeviantArt. Voilà, du prochain artwork. À ma femme, à sa patience, son amour et le support et donc le soutien qu'elle m'a offert pour mes projets. Voilà. Nous sortons dîner ce soir. Ok, d'accord. Il invite sa femme au restaurant. Voilà, tous les alpha et bêta testeurs. Donc merci à eux. Et merci. Donc j'ai un temps F, mais bon, je vous ai également un peu expliqué. Parce que je parlais, donc évidemment, voilà. Ouais, wow. Non, on va pas le smash. 68%, donc pour avoir 100%, il faut trouver tous les flyers et tous les signes. Et voilà. Écoutez, moi je vous propose, vu qu'on est qu'à 23 minutes, c'est qu'on se tente le multijoueur. Donc on est parti pour le multijoueur. J'espère qu'il sera plus rapide que le précédent. On va commencer en beginner. Excusez-moi pour la toux. Je n'ai jamais joué au multijoueur du nouveau. On va bien voir ce que ça donne. On va bien voir s'il y a des joueurs, hein, notamment. De toute façon, je regarde l'heure. Si là, dans 5 minutes, on va rester juste 5 minutes encore un petit peu ensemble. Si dans 5 minutes, une partie ne commence pas, et ben on arrêtera là. Oh non, mais on va pas attendre 5 minutes de vidéo. On va... Hop. De toute façon, on va bien voir. Ça a pas l'air de vouloir, hein. J'ai un ping de 208 secondes. Il y a un chat qui s'est couché devant ma box ou... Ah. Bonjour, Lokingaria 73. Ok, au revoir. Ah, ça serait dommage quand même. Ah, ou alors j'ai pas vu, elle attendait que je vote en fait. Ouais, bon. Non, ben bon, bah ben, tant pis, ben pas de multijoueur sur celui-là. Bon, ben c'est dommage. Non, mais ben, à mon avis, c'est parce que
Bon, je sais pas, il doit pas y avoir beaucoup de joueurs de connectés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, ben non, bah tant pis. Bah écoutez, bah sur ce, bah, c'était donc Exit Path 2, un superbe jeu. Franchement, je vous le recommande. Jouez au 1 avant de jouer au 2, mais de toute façon, les deux sont excellents. Les deux Exit Path sont excellents. Donc voilà, totale recommandation. Puis bon, bah sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à bientôt.